allez bien. Aujourd'hui, nouveau vlog. Nous sommes mardi 9 et il est midi 48 là. On a commencé à bosser à 9h. 9h, ouais, c'est ça, 9h. Et donc, bah là, on continue un petit peu. T'as faim? Pas encore. Ouais, j'ai bien déjeuné. Ah, vas-y, on va boire le jus d'orange, là, il est trop beau. Enfin, c'est pas du jus d'orange, c'est du jus de fraise. C'est ça, avec de la carotte et... C'est ça? Ouais. C'est de la marque Naked. Attendez, je vais vous ramener, vous allez voir, c'est trop bon. C'est du jus innocent. À la framboise, peut-être, t'as dit à la pomme? Non, j'ai la carotte. Ah, bah non, il n'y a pas de carotte. Ouais, bah, je framboise, pensais... cerise et pomme. Celui-ci, il est trop bon, il passe trop bien. Hop là, je vais prendre un petit verre et on continue de bosser. À tout à l'heure. Quand ton chat te laisse pas travailler. Qu'est-ce qu'il y a, Doudou? Qu'est-ce qu'il y a? Ce matin, j'ai reçu mon aspirateur pour la voiture. Donc j'ai commandé un Dyson V6. Donc il est magnifique. Donc je le montre en vrai. Donc ça donne ça. Il n'y a pas de sac, on le vide automatiquement. Et voilà, il est ultra puissant, il y a mon bouton max. Franchement, il est magnifique. Je suis vraiment content. Voilà, il donne ça. Il est quelle heure là? Il est 14h30. On vient de finir donc de bosser. Après, on reprendra tout à l'heure. Mais là, on va manger. Donc, je vais faire ça rapidement. C'est avec du fromage, c'est des pâtes. Et je vais mettre aussi des tomates cerises, je pense, et un petit peu de pesto ou de la crème fraîche. Non, pas de crème fraîche, ça n'irait pas avec ça. Je pense que je vais mettre avec du pesto. Alors, je vous reprends maintenant. Il est 20h28. Donc là, en fait, je vais faire un petit try and haul du site Zafool. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Et franchement, je suis vraiment contente de ce que j'ai reçu. Quand j'aime pas et quand c'est mal taillé et quand ça me plaît pas, je vous le dis. Mais là, j'avais vraiment hâte de vous montrer ce que j'ai reçu parce que c'est des vêtements que j'ai vus, particulièrement de gros gilets à Zara, à Bershka. Et c'est exactement la même chose pour beaucoup moins cher. Donc je vous mettrai les liens en barre d'infos. On va commencer tout de suite. Je vais vous montrer tout ça porté. C'est parti. Je sais absolument pas ce que ça va donner cette partie parce que je suis en train de vous faire une voix off. Donc dites-moi si ça vous plaît pour changer un petit peu d'habitude. Donc le premier haut, il est grave beau. J'aime trop. Il est hyper stylé. Comme vous avez pu voir juste avant, il y a une fermeture au niveau du col. Et en plus, ce qui est bien, c'est que tu peux le resserrer au niveau de la taille pour que ça fasse un petit peu plus cintré. Je sais pas si moi, je l'ai pris un petit peu peut-être trop grand. J'ai pris taille elle si ça vous intéresse, mais comme ça j'aime bien, je trouve ça fait stylé. Et ensuite le deuxième haut, ça va trop vite, bref, donc c'est un haut blanc qui est hyper tendance, vous avez un gros nœud devant. En fait c'est un haut que tu peux porter de deux manières, ou soit tu mets le nœud devant, ou soit tu le mets derrière, donc c'est grave stylé, c'est un deux en un quoi. Et quand tu le mets derrière, tu vois un petit peu le dos. Et donc là c'est exactement le même que le blanc que vous avez vu juste avant, sauf que celui-ci il est d'une couleur bordeaux, parfait pour l'automne. Donc voilà, moi j'aime bien le porter comme ça devant, mais après vous pouvez aussi le porter, comme je vous ai dit, de deux manières différentes avec le nœud derrière. La qualité est vraiment là, donc c'est génial. Ensuite on arrive donc à une petite chemise trop belle. Franchement elle est super classe avec des cuissardes. Je vois en fait cette chemise avec des cuissardes. En plus c'est trop beau parce que comme vous avez pu voir avec la ceinture devant, je trouve que ça fait un style, je sais pas, automnal. J'aime vraiment beaucoup et comme je vous ai dit, la qualité pour le coup chez Zafool... franchement, j'ai vraiment pas à me plaindre, c'est vraiment bien. Après, aussi, je crois que celle-ci, je l'ai pris peut-être un peu trop grande. J'ai pris taille L, si ça peut vous intéresser, mais elle est vraiment, je pouvais voir, il y a des petits boutons de couleur noire. Ensuite, donc, on arrive avec une robe. Celle-ci, elle n'est pas trop de saison. Je sais pas en fait si je la porterai maintenant ou l'été prochain, je sais pas, je verrai. Mais en tout cas, elle est vraiment super jolie. Le tissu est super léger, il est super fin, mais elle est pas transparente. Donc ça, franchement, c'est un avantage parce que j'en ai eu des tenues qui étaient super belles mais transparentes. Et ça, c'est plutôt dommage. Donc voilà, c'est une petite robe qui est un peu échancrée sur le côté où on voit un petit peu ton mollet avec une petite ceinture. Franchement, elle est super jolie. Ensuite, donc c'est une combinaison. Comme vous le savez, c'est mes tenues préférées. Les combinaisons, j'aime trop ça. Et malheureusement, je suis un peu dégoûtée parce que celle-ci, elle est transparente. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai mis un legging en dessous noir, voilà, pour cacher. Mais ça, c'est un peu dommage parce qu'elle est vraiment super jolie et la qualité est là. Et en plus, j'aime vraiment le col parce que ça fait un peu col...
écolière, je sais pas comment vous dire, mais je la trouve très très classe avec une petite paire de talons ou même une petite paire de baskets. Mais celle-ci, par contre, je la verrais plus avec des talons. Je trouve que ça fait plus joli. Donc voilà, elle est blanche, transparente malheureusement. Donc si vous la prenez, au moins vous n'avez pas de surprise. Mettez un legging en dessous, mais elle est vraiment super jolie, même encore pour cette saison. Donc voilà. Ensuite, on arrive à un top. Trop beau, mais je suis grave dégoûtée parce que j'ai pris une taille trop grande. C'est taille L, mais il est vraiment magnifique. En fait, là, je me rends compte que Zafool taille bien, en fait. Donc, ça sert peut-être à rien d'avoir pris des tailles au-dessus. Parce que c'est vrai que j'ai souvent peur de ça quand je commande chez les sites chinois d'avoir une taille trop trop serrée. Donc, c'est pour ça que bah, je prends pas le risque et je prends toujours une taille au-dessus, voire deux tailles, comme je vous ai dit. Et donc, là, c'est ce pantalon super joli. Un petit peu transparent, mais pas tant que ça, en fait. Super classe, crème, trop jolie. Et ensuite, donc, on arrive à un collier que je trouve trop beau, que d'ailleurs j'avais mis quand j'étais partie chercher mes parents. Il est 3 en 1, j'aime bien. Ensuite, on arrive à un gros, gros coup de cœur. Cette doudoune là, enfin, c'est même pas une doudoune, à chaque fois je vous dis doudoune, mais c'est pas du tout une doudoune. Ce gilet. Il est magnifique, franchement, et surtout qui tient super chaud. Il est hyper tendance. Ce gilet-là, vous pouvez le trouver de partout, hein, mais pour beaucoup, beaucoup plus cher. Je l'ai vu chez Zara aux alentours de 60, 50 euros. Et sur Zafool, il est beaucoup moins cher. Je vous mettrai de toute façon tous les liens en barre d'infos. Il tient vraiment très, très chaud. Cet automne, je vais le mettre tout le temps, je crois. Il y a aussi des petites poches, voilà, sur le côté. Il y a une fermeture qui est argentée. Et puis voilà. Oui, j'ai commandé la même en noir. Par contre, sachez que celle-ci, elle est beaucoup, beaucoup plus douce que l'autre. Celle-ci, elle fait un peu plus pilou-pilou que la beige, mais les deux sont vraiment très, très belles. Et la qualité est là parce que moi, j'avais peur, en fait, en les commandant, que ça fasse type, pas joli, bref, pas beau. Mais non, pas du tout, vraiment, ils sont super jolis. Pareil, il y a les poches. Donc, voilà! Je termine ce haul sur une super bonne note sur... Il est franchement, il est vraiment super beau et juste hyper confortable. Après, je vous l'avoue, comme je vous ai dit, celui-ci, il est un petit peu plus doux que l'autre. Donc franchement, je voulais vraiment un manteau comme ça. Enfin, c'est pas un manteau, à chaque fois je dis manteau, mais c'est un gros gilet. Et c'est parfait pour l'automne en fait. C'est vraiment le truc qu'il faut avoir pour l'automne parce que, bah, comme je vous ai dit, vous allez le voir dans toutes mes vidéos pratiquement avec celui-ci. Canon, canon de ouf. Donc j'espère que ce Twyon Hauly vous a plu. Dites-moi comme d'habitude en commentaire lequel article vous a plus plu. Moi, si vous voulez savoir, c'est ces gros gilets qui m'ont beaucoup plu. Après, les autres articles aussi sont très très jolis. Mais c'est vrai que ces deux articles, ça a été mon gros coup de cœur. Voilà, moi je vais tout ranger. Et puis bah, je vous dis à tout à l'heure. Hier, j'ai oublié de vous montrer cette tunique toujours que j'ai reçue de chez Zafool. Hein. Elle est vraiment super jolie. Elle est vraiment trop mignonne. Avec les boutons qui sont hyper tendance. C'est les boutons, vous savez, un petit peu vieillots, anciens, que je trouve jolis. T'aimes bien Ayoub? Ouais, elle est super belle. Elle est trop trop mignonne. Et aussi, oui, il y avait le jean que je vous ai pas aussi montré parce que j'ai complètement zappé. Et par contre, Ayoub, tu pourras me le... Ouais. Tu sais, l'ouvrir. Mais il est vraiment hyper beau. Et en fait, j'aime bien la coupe au niveau d'en bas. Donc, ça fait stylé. Ouais, non, franchement, je l'ai essayé, il va, donc je suis contente. Donc voilà, je vous mettrai de toute façon tous les liens en barre d'infos si ça vous intéresse, comme je vous ai dit. Et puis, bah, moi, je vais dormir. À tout à l'heure. Without you.